Hello tout le monde, de retour aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler d'un haul encore une fois, des achats que j'ai réalisés dans une boutique déco. S'intitule Centre Accor. Sans doute que pour certaines d'entre vous, vous aurez la chance de trouver ce genre de boutique. C'est à peu près le même style que Jiffy et compagnie, pour des prix qui sont tout à fait abordables. Donc Centre Accor, Amazon, peut-être d'autres qui me viendront par la suite. Donc on commence par ce meuble ici que vous voyez qui est un meuble à tiroir. Ce meuble était au prix de 59, enfin 60 euros, 60 euros. Donc il est blanc, des tiroirs en bois. Donc il y a marron clair ici, taupe gris, etc. Donc très joli. Et en fait, j'ai acheté ce meuble pour pouvoir placer tout mon make-up. La première en haut, c'est tout ce qui est fond de teint et correcteur. La seconde, c'est toutes mes poudres sur la droite et sur la gauche, tous mes blushs et highlighter, etc. Le troisième, ça va être tous mes fards à paupières, que ce soit crème, mono, puis les petites palettes. Le quatrième, ce sont mes mascaras. Le dernier, j'ai pas tout à fait rangé encore. C'est ce qui m'encombre plus ou moins. Là, j'ai toutes mes bases à paupières et puis les gels eyeliner. Ici, c'est les rouges à lèvres. J'attends de recevoir mon autre rangement acrylique que j'ai commandé sur Amazon. C'est un acrylique qui vient de l'étranger, donc je vais attendre hein, pour ranger tout le restant. J'avais une petite promotion puisque j'ai la carte de fidélité. Ensuite, j'ai acheté cette corbeille ici, que j'ai eu pour 4,99 €, où je mets toutes mes palettes. Ensuite, j'ai acheté cette petite corbeille, petit panier corbeille, petit format, pour 2,99 € il me semble, ou 1,99 €, qui est en fait la petite sœur de celle-ci, là où toutes mes palettes y logent. Et en fait, c'est pour tout simplement mettre mon portable à l'intérieur. J'ai également trouver cette petite c'est une petite assiette en cœur amour et je dépose mes bijoux du jour en fait ma montre mes bagues des bijoux que je vais reprendre automatiquement le lendemain plutôt que les ranger dans des boîtes ou autres et puis que ce soit plus accessible le matin quand je vais mettre mes bijoux. Ensuite, j'ai trouvé ceci que j'ai trouvé trop mignon, très girly, n'est-ce pas? C'est un escarpin où on peut y placer toutes les bagues. Donc il y avait d'autres coloris, toujours dans le même esprit rétro, dans les mêmes tons, hein, les mêmes teintes. Moi j'ai pris celui-ci. Il existait aussi en forme de canapé, mais moi j'aimais bien l'escarpin. Voilà pour ça, 3,99 €. Ensuite, j'ai acheté des boîtes cartonnées comme ceci, qui avec le couvercle que j'ai placé juste en dessous. J'ai voulu m'en servir en tant que pot à pinceau, donc j'en ai acheté deux, mais ils sont super mignons, avec un buste, des parfums, sac à main, etc. Super beau. Et j'en ai acheté deux. Et ils étaient à 5,99 €, sachant qu'à l'intérieur, il y avait une jolie petite tasse.
très girly, très glam, très fille, que j'aime beaucoup. Et puis vous avez le petit détail à l'intérieur, qui est un flacon de parfum. Il existait en format rond, ovale et carré. Donc moi j'ai pris rond et ovale parce que la boîte ovale que vous voyez en premier plan, voilà où je mets tous mes cotons à démaquiller, je les ai trouvées vraiment très très mignonnes. Et à l'intérieur il y avait donc deux tasses. Donc ça m'en fait quatre du coup. Pas très cher puisqu'elles étaient toutes au même prix, 5,99 ou 6,99 il me semble. Oui, alors j'ai acheté ce petit kit de vernis. Alors la marque c'est tout moi il me semble, 7,49 € pour tester, pour voir. C'est vrai que j'ai pas grand chose en vernis, mais bon, je me suis dit si à l'avenir j'arrive à trouver de bons vernis, les couleurs que je veux, peut-être que j'investirai de ce côté-là. Mais pour le moment, c'est vrai qu'en vernis, il faut que je teste avant d'acheter. Donc bon, après, je peux toujours me référer à la couleur que je possède déjà et retrouver une similaire, quoi. Donc il y a celui-ci qui est un framboise, qui est super joli. Ensuite, j'ai un corail, super belle. J'ai un rose fuchsia ici. Là, nous avons un rose violine. Et celui-ci que j'aimais beaucoup, qui est un nude. Nude saumon. Donc voilà, je testerai, puis je vous en parlerai. Puis en ce moment, c'est vrai que je ne mets pas beaucoup de vernis, ma manicure est. Et j'ai pas de manicure tout simplement. Mes ongles cassent et se dédoublent, donc bon, j'attends de les avoir un peu plus forts, de les soigner avant de pouvoir refaire ma manicure. Voilà. Enfin, j'ai reçu mes lampes du jour. J'avais commandé de l'eau d'ampoule du jour en E14, donc ce qui veut dire à vis et petit culot. Et donc j'en avais pour 31 € dans ces deux lots-là. Et j'avais également commandé un lot en E27, un gros culot à vis, qui est au nombre de 3. Et puis sur mes deux lots de petites ampoules, les 6 petites ampoules, j'en ai 4 de inutilisables. En l'occurrence, 3 qui ne fonctionnent pas dès qu'on allume. Et puis la dernière, pour finir, qui est cassée. Donc j'ai envoyé un mail de réclamation. Et puis je pense que je vais être remboursée. Donc du coup, j'en ai racheté d'autres à Bricomarché. Les 3 que j'ai achetés à Bricomarché, j'en ai eu pour 19 €. Et puis bon, c'est la marque Osram, quoi. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Que Amazon, bon, c'est pas la même marque. Sachant que bon, j'aurais dû m'en référer aussi aux commentaires qui étaient laissés par rapport à ce vendeur. C'est vrai que certains se plaignaient de les avoir reçus défectueuses, cassées ou qui ne fonctionnaient pas. Donc je suis bête, j'aurais dû m'orienter sur les commentaires et puis m'abstenir d'acheter avec ce vendeur. J'ai également reçu ma commande de pinceaux que j'avais acheté sur Aromazone. Alors je n'ai pas de marque, j'ai payé le lot 15 €. Je dirais que c'est essentiellement des pinceaux pour le teint. Donc j'ai 5 gros pour le teint, donc un biseauté fluffy. Voilà, j'en ai un, j'aime beaucoup celui-là. J'ai celui-ci en pointe. J'ai un biseauté, j'en ai un bourron, et celui-là, beau plat comme ça, évasé. Je les ai testés, et je trouve qu'ils sont vraiment sans sas. Pour ces pinceaux-ci, je dirais que c'est pour le teint, parce qu'ils sont un peu gros, je trouve. Il y a des fluffy, mais je trouve un peu. Gros, utilisé sur les yeux. Donc moi j'ai utilisé celui-ci pour le correcteur qui est biseauté et franchement j'y trouve géniaux. J'ai enfin trouvé ce que je recherchais à petit prix. Je vous mettrai le lien du vendeur si vous voulez.
Voilà pour ce haul, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, pour celles qui ont la chance d'avoir un magasin Centre Accor pas loin de chez elles, allez-y parce que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment des prix super abordables. J'avais acheté un cadre, j'avais dû vous le montrer dans une précédente vidéo. Et en fait, c'est le dupe de celui de Maison du Monde, sauf que le prix est complètement différent. Celui-ci est à 11,90 €. Et il me semble que Maison du Monde, c'était beaucoup plus cher, multiplié par, je sais plus, c'est 5, 6 ou 7 fois, quoi. Bon, bah, c'est quand même assez conséquent, d'autant plus qu'on a à peu près le même rendu, quoi. Je vous laisse. Je vous envoie plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant la prochaine, je vous dis bye bye, à bientôt.